tout le monde, c'est Jean-Philippe, celui qui mange les Heaters. Oh, petit déjeuner, on se retrouve aujourd'hui sur Staxel. Eh ouais, voilà, Staxel, c'est quoi? C'est un mini-jeu, j'allais dire. C'est un jeu qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Donc Staxel, c'est un genre de Minecraft game. C'est un jeu à 5€. Pour le moment, c'est à l'alpha qui Staxel Selling Edition que vous pouvez voir ici. Donc voilà, c'est un jeu en fait MMO. Qu'est-ce que je dis? Non, pas MMO, c'est RPG tout simplement. Pour le moment, on est en créative. Vous allez comprendre directement. Écoutez, on va lancer une partie single player, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on lance une partie? On doit se créer un personnage, donc j'ai envie de me créer un personnage cool. Donc d'abord, attends, t'as elf et t'as humain. Et je veux un mec, moi. T'as en fait la différence entre elf et humain, y a rien en fait. T'as juste des oreilles bah, avec les elfes. Ok, les cheveux, qu'est-ce qu'on va prendre? Non, moi je veux pas un roux. Je ne veux pas des chats sur moi. Celui-là a l'air stylé quand même, on va le garder. Même si c'est... Non. Attends, c'est une tête de meuf quand même. J'ai choisi mec, mais il me donne des têtes de meuf. Vas-y, ça c'est bien. Ice, bah ça reste vert. Shirt. On garde ça. Pantalon. Vas-y, on va garder un short. Et les bottes, voilà. Ok, donc on va faire ça. Accept et... Donc là, on a les mouvements. Voilà. On peut jouer à la manette si on veut. Tac, et voilà, nous sommes dans la partie. C'est normal que vous voyez un arbre cassé là, je l'avais déjà cassé. Parce que pour le moment, on a qu'un seul mode monde solo, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le but du jeu? Pour le moment, il n'y en a pas. Car c'est la alpha. Je rappelle que Minecraft, quand il a été créé, il n'y avait aucun but aussi. Hein. Donc là, pour le moment, ce qu'on peut faire, vous pouvez voir ici, on est toute une gamme de blocs. De blocs, voyez-vous, il y en a quand même pas mal. Hein. Regardez tout ça. Et avec tout ça, avec tous ces blocs, on va pouvoir créer des maisons, etc. Il y a un mode multijoueur. Pour le moment, il y a un serveur qui est ouvert au public. Il commence à se faire grief. Mais et on peut voir des maisons, c'est plutôt cool. Donc écoutez, pour le moment, comme le jeu vient de sortir et qu'il n'y a pas vraiment de but, j'ai envie de faire comme projet de réaliser un petit village avec, regardez, on a vraiment de quoi faire hein. Niveau bloc, on a vraiment tout ce qu'on veut. Et écoutez, moi j'ai vraiment envie de créer un village. Genre regardez, on a, je vais poser ça, des lanternes. Par contre, je sais pas pourquoi ça éclaire pas, mais voilà. Donc voilà, c'est un exemple. Par exemple, on a fait ça. On peut avoir des sugar cannes ici. Voilà. Ah bah en fait, ah ouais, ok. Il faut attendre que ça s'allume. Ok, donc là j'ai mis. Ah ouais, ok. Ça... Ouais, c'est comme je dis, c'est la alpha. Donc il y a quelques petits bugs. Genre quand on met ça, il faut attendre un certain temps. Voilà pour que ça allume. Voilà, on a une citrouille après. Bon, bref, on a plusieurs choses. Regardez, on a un petit panneau RIP ici. Voilà. Et voilà, on a vraiment des centaines et des centaines de blocs à ce que je peux voir. Et attends, là, il suffit de prendre la pelle pour casser ce qu'on n'a pas besoin. Alors, pour le stuff, on a une pioche ici qu'on va remplacer par ça. Ça, je n'ai pas... comment? Le jeu, en vérité, je le découvre avec vous. Je le découvre, je sais comment... J'ai un peu joué pour savoir les déplacements et tout. Mais franchement, je découvre avec vous. Donc là, on a une petite hache. On va casser un arbre. Regardez ce qui est bien, c'est que quand on casse un arbre, ça se casse automatiquement. Alors là, après, t'as comment on fait pour les récupérer? T'as. Attends. Ah voilà, il faut faire clic droit dessus. Et regarde, là, on gagne des bûches. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des bûches? On sait pas. Peut-être que pour plus tard, ça servira à crafter des choses. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas de table de craft, hein, à ce que je sache. Mais bref, voilà. Donc, comme je disais, on va... Je vais faire un peu d'espace, tu vois. Ouais, ok. Histoire de...
Ouais, je vais casser les arbres ici. Ah, regardez, les petits bugs, hein, c'est normal, hein, comme je le dis, c'est la bêta, enfin, l'alpha. C'est même pas une bêta, c'est l'alpha, mon gars. On ramasse les bûches. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce jeu à partir de à 5 euros, voilà. En même temps, c'est un petit jeu sympathique, hein, on va dire ça comme ça. On va pas tarder à créer la... Ce que je veux faire, c'est juste la casser les arbres, tu vois. Et voilà, comme ça on a un bon espace. Vous pouvez voir aussi qu'il y a blindé, beaucoup blindé de fleurs. Ce qui est vraiment très très joli. Sauf que c'est quand même un peu abusé, si on peut se l'avouer. Donc alors, on va commencer à crafter. À faire, pas à crafter. À faire notre. Notre maison. Voilà, notre maison, on va dire ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher des blocs qui seraient intéressants d'avoir. Ok, ça marche pas comme ça. Ah ouais, ouais, je sais. Regarde. Il faut chercher le bloc comme ça, je crois. Ok, par contre, ça va être chiant, par contre, pour trouver tout le temps les blocs qu'il faut. Bon, bref, on va essayer de trouver un bloc qui serait sympa pour faire la façade. Genre ça, je trouve ça bien pour faire les coins. Ah, par contre, ah putain, je veux pas poser là. On va en poser un là. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on voit mes pieds, comme on voit là. Donc là, on va faire un peu... Le pilier qui va tenir la maison. Ici. On va remettre un pilier. Donc comme vous l'aurez compris, ça sera plus une série... comment dire. Une série, on va s'amuser à créer des petites maisons comme ça, à créer notre village. Et je pense que ça serait bien sympathique. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Hein, si ce jeu vidéo vous plaît. Voilà. Voilà, et là il y a une astuce aussi, tu fais clic droit avec et voilà, comme ça t'as la brique. Ça j'avais oublié ça, voilà. Donc on se met. Ah par contre attends. On va casser les fleurs qui sont ici. Voilà. On va poser les bûches. Oh merde, oh fuck. Ok. Allez, on prend la pelle. Tac, voilà. J'ai envie de casser un peu les fleurs car elles vont me déranger un petit peu. Voilà. Donc là, je veux une maison. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça va être comme maison, mais j'espère faire un truc cool. Voyez-vous, donc là, on va chercher un bloc. Un autre bloc un peu plus beau. Qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui serait bien? Oui, il y en a vraiment beaucoup des blocs, hein, ce que je peux voir. Mais je n'arrive pas à trouver le bloc qui me ferait plaisir. Oh putain, le mec il s'est... Vas-y, on va changer ça, je crois. Ouais, ça sera bon ça. Donc là ce qu'on fait, c'est les bordures, mon kiki. Les bordures, voilà. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que les musiques du jeu sont terriblement cool. Mais vraiment, je les kiffe. Ce qu'on peut voir aussi, qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de nuit. Enfin des nuits. Regardez là, il va faire vraiment nuit. Mais ça dure genre 10 secondes la nuit. C'est assez bizarre, mais bref. Ce jeu, en fait, il me fait penser à Cube World. C'est un... Putain, c'est un jeu que j'avais longtemps que j'ai pu jouer à ce Cube World, là. C'est un jeu sympathique à un moment. Oh! Merde! Je me suis trompé, ici. Fuck! Putain. On prend la pelle, on casse, alors. Ah, ben, attends. Comme ça, c'est bon. Voilà mon kiki. On prend la pelle pour casser ça.
Voilà. Je sais vraiment pas ce que je suis en train de faire. Mais j'espère qu'en tout cas le final sera plutôt beau. N'est-ce pas? Oh my god. Voilà, alors il n'y a pas quelque chose. Ah voilà, c'est ça que je voulais. C'était ça. Attends, je vais poser là juste 2 secondes. Je vais prendre ma pelle. On va viser le centre de la maison qui est ici, je crois. On va prendre ça. On va le mettre dans le bon sens comme ça. Et voilà, ça, ça sera. Ça fera office d'entrée. Attends, non, je vais prendre ça, je crois. Ah, mais du coup, on verra pas. Attends. Non, il faut que je prenne un plus petit gros bloc. Bah, je peux prendre ça en fait. Voilà, comme ça. Comme ça, on aurait une petite entrée ici. J'ai envie de faire 2 petites fenêtres au milieu là. Ici. Je sais pas, par contre, j'ai pas regardé s'il y avait du verre. J'imagine que oui, qu'il devrait en avoir. Donc là, on aura notre petite entrée comme ça avec, allez, on va dire soutien-porte. Je sais pas s'il y a vraiment de porte. Si on peut appeler ça une porte, mais. Tac, voilà. Voilà, regardez, il va faire nuit et puis il va faire jour juste après. C'est ça un peu le. Ce qui est bizarre, franchement. Mais c'est pas les nuits comme sur Minecraft hein, où t'as des monstres et tout. Hein. Non, non, non. Hein. Comme je l'ai dit, là c'est la alpha. Tu peux presque rien avoir quoi. Regardez, le jour est revenu, voilà. Donc on a fait ça. Je sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Je voudrais voir s'il y a du verre. Voilà, c'est ça que je cherchais. Du verre quelque part. Ouais, ça c'est plutôt désavantageux que tu dois chercher comme ça avec ta molette de ta souris le bloc que tu souhaites avoir. C'est plutôt chiant. Oui, y a pas. Il y en a tellement des blocs, c'est je vais me perdre. Et là c'est on arrive aux plantes. Ok, j'ai pas trouvé, il doit sûrement en avoir. Mais bon, je pourrais rajouter ici. Si j'arrive à trouver, voilà, des torches. Non, c'est pas des torches que je voulais, c'est des. Mais j'arrive pas à les trouver. Bon, on va prendre des bougies alors. Non, on peut pas les poser comme ça. Pourquoi je peux pas poser les bougies? Pourquoi je ne peux pas poser les bougies? Bizarre, bizarre. Ok, c'est bizarre. Par contre, un truc que je comprends pas là, c'est. Ah, ok. Ah, je comprends mieux. Donc, si je veux du verre, est-ce que je trouve ici? Ouais, c'est très bizarre. Hashtag, je ne comprends pas. Ah ouais, donc là, attends, tu choisis la couleur et puis t'as tous les blocs colorés. Ah, t'as même un sapin de Noël là, un cadeau. Au pire, tu sais. Attends, c'est quoi ça? C'est trop swag. C'est trop swag, j'adore. Par contre, on va l'enlever, voilà. Ah ouais, c'était... Voilà, on a ampoule ici. Par contre, ouais. Franchement, ça a modifié ça. Car c'est vraiment... Je comprends pas vraiment ça. Le truc.
Oh, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est chercher un bloc digne de ce nom. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça, genre ça? Attends. On va essayer d'être créatif quand même, hein. Ah, n'est-ce pas? Là, je trouve ça plutôt cool. Par contre, on voit un peu les plantes entre eux. Ah, mais du coup, attends, voilà. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça rend bien? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh, génial! On peut faire notre pique-nique, mon gars. Ah, oh, c'est stylé, ça, quand même. On a un pot de miel. Oh, putain. Il est disproportionné par rapport au reste de la table. Regardez, on a même des armoires pour que je vous montre. On va genre la poser ici. Ah, par contre, là, ouais. Il faut faire ça et puis tourner à la molette pour avoir le bon sens. Voilà, comme ça. Ah ouais, par contre là, elle va dans le bloc, c'est pas très cool. Je vais la casser. Où sont les blocs? Je voudrais un bloc coloré, tu vois. Ça, est-ce que ça rendrait bien? Oh, ça, je suis sûr que ça rend bien. Des briques comme ça, c'est sûr que ça rend bien. Ah ouais, par contre, je sais pas s'il y a des vitres, mais j'imagine que des barrières, ça existe. Ouais, ça, il y en a. Donc, on pourrait rajouter ça par des barrières. Tant que j'y pense, hein. Donc, on met ça, voilà. Je sais pas si dehors, ça rend bien. Ouais, ça va. Ouais, c'est ici que je voudrais des barrières. Est-ce que je peux mettre ça comme barrière? Ah putain, ça se connecte pas ça. Ah ok. Ah, ah par contre les fleurs, elles sont un peu chiant les fleurs comme ça. Voilà. Ce que je voulais voir, c'était des barrières. Barrière, barrière. Ou alors j'utilise celle-ci. Attendez, on va tester. Ah! Je peux pas la mettre là. Oh merde, attends, attends, attends. Je crois que je vais faire ça comme ça. Ah, je peux pas poser là. Ok. Hashtag c'est très très moche. Hashtag je sais pas construire. C'est exactement ça. I'm sorry, parce que je suis trop nul. Il faut tout le temps un temps d'adaptation, hein, aussi. On a rien sans rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un petit banc, ok. On a des petits escaliers ici. Ah, j'ai. Je vais voir si je peux mettre des escaliers là. Ah, par contre, attends, je les ai mal mis. Vas-y, on va essayer de commencer un toit. Même si j'ai même pas fini la façade. Hashtag trollolol. Aïe, 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 attends. Je peux pas le poser là? Ok. On va monter
un genre d'échafaudage, vois-tu? Oh merde, je suis tombé. Comme une grosse merde. Oh, fait. What? Voilà. C'est nice. Hashtag, je suis le meilleur architecte du monde. Hashtag, voilà. Tout simplement. What? C'est affreux. Franchement, c'est terriblement hard à faire. J'aimerais bien aller vous montrer ce que les gens ont fait sur le serveur. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Go to the main menu et on va aller voir ce que les gens ont fait dans leur serveur. Donc ça, c'est le serveur officiel. Voilà. Et là, t'as des plus belles maisons quand même. Ah, voilà, ça, c'est pas vraiment des vitres, c'est plus des vitres ainsi, tu vois. Voilà. C'est des vitres comme ça. Ok. Et voilà, là, il y a un autre joueur. SB. Voilà. Et franchement, les constructions des maisons sont plutôt stylées, hein. Franchement, c'est plutôt hardcore de reproduire ça. Donc, je suis. Je suppose que. Attends, oh là, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est avec les couleurs ici, tu vois. Mais bref. Voilà, c'est un peu ce que les gens arrivent à faire. Et moi, que je n'arrive pas à faire. C'est exactement ça. On a l'eau ici qui est pas très bien faite pour le jeu. C'est même pas de l'eau, c'est un bloc, regardez. C'est un bloc. Bref. Voilà quoi, c'est vraiment stylé. Et je crois de créer un village comme ça me prendrait du temps. Très franchement, je serais sur Minecraft, tu vois, ça aurait été beaucoup plus facile, mais là, hard. Où est-ce qu'il va le monsieur là? Bonjour. Regardez ce qu'on peut faire. On peut faire un cœur, et voilà, et il me fait un coucou. Et moi je lui fais un coucou aussi. C'est nice, hein. Bref, en tout cas, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est pas vraiment une vidéo avec un très gros contenu, mais je voulais vous faire montrer ma petite découverte sur ce petit jeu qui est pour le moment en alpha, je le rappelle, hein. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment faire beaucoup de choses. Mais j'imagine que dans le futur, ça va être un bon jeu. Voilà, je vous rappelle que Minecraft a été comme ça un jour, hein. Waouh. Tout à l'heure, j'étais venu ici, il n'y avait pas de maison. Il y a un mec qui a réussi à faire une maison. Waouh. Putain, franchement, je suis étonné de ce que les gens sachent. Ils savent. Je sais pas parler. Ce que les gens savent faire. C'est vraiment plutôt cool. Regardez la petite cuisine et tout. Oh, le petit cuisinier là, tranquille. Ah, avec un petit étage ici. Oh, mais franchement, c'est stylé. C'est stylé. Bref. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo en ma compagnie sur Staxel vous aura plu. Oh my god. Il y a un mec qui s'amusait à faire un smiley de l'autre côté là-bas. Bref, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous aimez le jeu et si vous voulez plus de vidéos dessus. Voilà, tout simplement. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de toucher au jeu ou de tester le jeu. Bah, dites-moi vos ressentis à vous. Donc voilà, je n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire qui fait toujours extrêmement plaisir. Pourquoi pas t'abonner à ma chaîne YouTube qui fait extrêmement plaisir. Et pour ma part, on se dit à la prochaine. Tchuss!